Ce résumé vous est proposé par Nissan et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Si c'est pour Mané, il est hors jeu. Mais ça là, il ne l'est pas. Et là, Mané, il l'a avec l'arrêt. J'ai eu peur. L'arrêt de Stankovic face à Salah, c'était compliqué pour défendre. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'ils ont marqué un petit temps d'arrêt par rapport peut-être à la position de Mané. Exact. Mais que Salah, lui, effectivement, il n'était pas du tout hors jeu. Absolument pas. On n'est pas déçu. Hein. Bah, franchement, on n'est pas déçu par l'entame de ce match. Firmino, ah, il est tout seul, c'est du 1 contre 1, il y a l'appel et il va chercher la lucarne. Ouh, elle n'est pas passée loin celle-là. Bien joué. Oh là là, si ça va au fond, ça, si ça va au fond, je retire tout ce que j'ai dit avec Alain. Et là il est bon, et là il est tout bon, et ouh. Mais regardez d'où c'est parti de Stankovic, ça arrive à Alisson Becker, il y a pratiquement toute l'équipe de Salzbourg qui a touché le ballon. Impressionnant, vraiment impressionnant, avec Alain aussi qui a participé à la construction du jeu et qui la termine cette action magnifiquement. Ah, il est en retard là. Il est en retard, il doit la prendre, il prend quelque chose, parce que si ça, Keita va chercher de l'autre côté, ça s'est terminé. Oh non ! Et c'est un signe. La deuxième pour Salah, et là c'est sans doute beaucoup, beaucoup plus facile que tout à l'heure, parce qu'il y a peut-être un mauvais rebond. Non, je sais pas, mais c'est magnifique. Hein. Sinon, bah, comme ça, on n'a pas l'impression, il y a Ngouéné qui cache un peu l'action. Oh oui, voilà. Magnifique. Oh, la sortie, elle n'est pas suffisante. Si. Mais quel geste défensif. Encore une fois. Incroyable. Et c'est une contre-attaque sur une contre-attaque. Hein, parce qu'on était parti du côté là, oui. Avec Wang, avec Wepu qui ne peut pas réceptionner ce ballon. Oh, et derrière, voilà. Du tac au tac, oh avec l'autre. C'est pas vrai. Mais il les collectionne. Ah, quel ballon. Mais ce match est magnifique. Ce match est incroyable. Liverpool prend une baffe, il en donne une directement. Mais c'est ce qui s'est passé depuis le début. Mais oui. Oh là là, le diagonale d'Alexander Arnold pour son corner. Oh là là, main en deux passes et en trois mouvements. La sortie de Stankovic. C'est goal. C'est goal et c'est incroyable, c'est Keita qui marque ça. Ouais. C'est Keita qui va marquer peut-être le but de la qualification pour Liverpool, mais ouais. Rien n'est moins sûr, parce qu'on n'est jamais qu'à la 56e minute, mais tout part d'une de ces fameuses diagonales des arrières latéraux. Ouais. On avait parlé tout à l'heure, effectivement, une de plus, une qui fait mouche avec Robertson, là, qui s'appuie magnifiquement sur Mané. Mais là, je remets en cause quand même la sortie de Stankovic. Hein. Je crois qu'il a mieux à faire là-dessus, il ne doit jamais y aller, Marc. Bon, il est peut-être tombé un petit peu trop vite ce but de Liverpool. Alors l'égalisation peut-être va tomber rapidement, puisqu'on a l'habitude de voir qu'à chaque possibilité pour une équipe, il y en a une pour l'autre. Ça passe ou pas? Non. Bah, il manque ce petit truc. Ouais, à chaque fois. Enfin, me reconnaître qu'au point, on va dire que c'est pas volé pour Liverpool hein, de mener dans cette rencontre, parce que c'est eux qui se sont créés vraiment les situations les plus concrètes. C'est vrai. Dit à chaque fois, en fait, là, cette action est très symbolique. Attention, Lango. Oui, de nouveau un peu court. Salah, est-ce qu'il peut redresser? Oh, le but! Oui! Oh, le but de Salah!
Mais alors celui-là, il nous en rate d'étouffer et puis il va en créer un, mais de toutes pièces. Mais qu'est-ce qu'il, comment il a fait? Parce que du pied droit, sur le flanc droit, redresser un ballon pareil pour qu'il termine sa course où vous venez filer, il faut qu'il m'explique, parce qu'au niveau de la géométrie, c'est pas possible. Là, il a réinventé le théorème de Pythagore, la marque. Avec le triangle rectangle, vous êtes très fort. Vous êtes très très fort. Ah oui, Jesse Marsh, c'est fini. Ça c'est terminé, on est à la 58e et c'est terminé. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.